Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Bienvenue à Passion Voyage, votre émission hebdomadaire qui vous fait découvrir des nouvelles destinations. Angelina Miconiatis, directrice des produits voyage chez CAA. Bonjour. Bonjour Jean-François. C'est une émission particulière aujourd'hui, oui. On doit vous l'avouer. On est un peu fébrile parce qu'on fait appel à votre cœur d'enfant, étant donné qu'aujourd'hui, il sera question de Walt Disney, mais plutôt des Disney Cruise Line, de leur bateau. Oui. Aujourd'hui, on va parler du tout nouveau-né de Disney Cruise Line, le Disney Fantasy. J'ai eu la chance de faire la croisière inaugurale qui a eu lieu à la fin du mois de mars. Et j'arrive justement de vivre une expérience merveilleuse. C'est vraiment un navire unique en son genre. C'est un amalgame de technologies, de rêves, de fantaisies, d'animation et de plaisir. Vraiment un navire à la hauteur du nom Disney. Et tu es allée avec ta fille, donc oui. Ça t'a aidé à retrouver ton cœur d'enfant, à s'émerveiller devant cette magie-là. On sait que Walt Disney vivait pour mettre de la magie partout, finalement. C'est pas leur seul bateau, non. C'est leur quatrième, donc voilà. Leur dernier qui a été mis à l'eau. Oui, il y a un an, un petit peu plus qu'un an, on a mis à l'eau aussi le Disney Dream, qui est le jumeau du Fantasy. Il y a aussi le Disney Magic et le Disney Wonder. Alors, si ça vous dit de prendre la mer en compagnie des personnages de Walt Disney, restez avec nous à Passion Voyage. On vous en donne plus de détails tout de suite au retour de la pause. Le Disney Fantasy a été construit en Allemagne. Son voyage inaugural a eu lieu le 31 mars 2012 à partir de son port d'attache, Port Canaveral, en Floride. Le Disney Fantasy accueille à son bord 1458 membres d'équipage et jusqu'à 4000 passagers. Ses 14 ponts incluent un théâtre, un cinéma, plusieurs restaurants et bars, ainsi que des centres d'activité pour tous les groupes d'âge. Pour le confort de ses passagers, 1250 cabines sont disponibles, dont 199 qui offrent une vue sur l'océan. Nous sommes de retour à Passion Voyage. On vous fait vivre cette semaine toute la magie de Disney, mais sur un bateau, avec l'un de ces navires, le Fantasy, qu'on connaît aujourd'hui, finalement. Le tout nouveau-né, justement, le Disney Fantasy. Si vous me permettez, je vais vous lire une citation de Walt Disney. « Le rire est intemporel. L'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont pour toujours. Après tout, un adulte, c'est simplement un enfant qui a grandi. » On voit la mentalité de Walt Disney qui voulait rester enfant. Finalement, il voulait garder son cœur d'enfant pour continuer à s'émerveiller. Et ça se voit sur le bateau. Ça se voit sur le navire. Et les Imagineers de la compagnie Disney, vraiment, comme tu dis, ils ont gardé cet aspect-là de cœur, d'avoir le cœur jeune, peu importe notre âge. Ce navire-là, il a été conçu, oui, pour les familles, mais on n'a pas négligé l'adulte parce qu'il y a plein d'endroits sur le navire où l'adulte peut un peu se retirer et avoir un petit peu de calme. Mais justement, comme ce sont les enfants qui sont à l'honneur sur ce bateau-là, qu'est-ce qu'il y a à faire pour les plus jeunes si on commençait par eux? Mais si on commence par les plus jeunes, on a une pouponnière, si on peut l'appeler ainsi. Ça s'appelle The Small World Nursery. Mm-hmm. Et c'est pour les 0 à 3 ans. Donc, c'est rare qu'on a des garderies, que ce soit dans les tout-inclus. Sur un bateau de croisière, à partir de 0 jusqu'à l'âge de 3 ans, on les amène dans cette pouponnière-là. Les personnes qui sont là, évidemment, sont très qualifiées pour s'occuper de vos enfants. Et pour ceux qui ont un peu le cœur lourd de laisser leurs enfants dans la pouponnière, mais il y a une genre de fenêtre où on peut voir, ah, puis oui. Les enfants ne nous voient pas. Donc, on peut observer nos enfants, là, si jamais on a des doutes, mais... Donc, ils ne se mettront pas à pleurer en nous voyant. Non, parce qu'ils ne nous voient pas, c'est justement. Une bonne idée. Ensuite, on a la zone pour les enfants qui ont de 3 à 10 ans. C'est le Oceaneer Club and Lab. Écoute, cet endroit-là, je vais le dire souvent, là, mais
J'aurais aimé avoir ça, cet âge-là pour y aller. On a un petit endroit pour les petites filles qui s'appelle Pixie Hollow. Quand on rentre là-dedans, c'est plein de petites robes de princesse, puis on peut se déguiser, puis on joue dans une espèce de jardin féerique. Pour les garçons, je dis pour les garçons, ça peut être pour les filles aussi, là. On a Andy's Room, comme dans le film Toy Story, où tous les jouets sont grandeur nature, là. Donc, on joue avec le Slinky, qui est à peu près haut comme ça. Ensuite, on s'en va dans un autre endroit. C'est basé sur le film Monsters, Inc. Oh, wow. Donc, c'est que des espèces d'endroits comme ça, avec des thématiques qui sont reliées au film Disney. Et moi, qu'est-ce qui m'avait impressionné, c'est quand on rentre, il y a un grand plancher interactif. On voit les enfants sauter là-dessus. En tout cas, il y a des jeux. Plus qu'on saute, plus qu'on fait avancer le jeu et tout ça. Oui. Donc, les enfants, là, sont pas statiques, hein, sont pas devant des jeux vidéo et tout ça. Là, sont vraiment en train de bouger puis en train de s'amuser. D'ailleurs, l'équipage a été obligé d'aller chercher Angelina en train de s'amuser, assise par terre. Ben, c'est pas l'envie qui manquait, mais on avait le droit d'aller visiter pour voir un peu ce que ça avait de l'air. Mais sachez que la sécurité pour Disney, c'est vraiment important. Quand les enfants arrivent dans ces espaces-là, on leur remet un bracelet électronique qui les identifie autant eux que leurs parents. Donc, quand on arrive avec notre enfant, on scanne le bracelet, l'enfant rentre dans la garderie, si on peut l'appeler ainsi. Et lorsque le parent revient pour chercher son enfant, on vérifie l'identité autant de l'enfant que du parent. Et avant l'émission, tu me parlais d'un cellulaire pour les un peu plus vieux. Mais le cellulaire, oui. Dans les cabines, on nous donne deux cellulaires. Deux cellulaires, ça s'appelle des Wavephones. Le téléphone est fonctionnel sur le navire et aussi sur l'île privée de Disney Castaway Cay. Donc, si on a besoin de communiquer avec un autre membre de notre famille qui est dans notre cabine, c'est plus facile de le faire. On peut appeler cellulaire à cellulaire, cellulaire à une autre cabine. On peut même envoyer des textos. C'est vraiment pratique. Et si jamais il arrive quelque chose avec notre enfant à la garderie, mais ils peuvent nous rejoindre rapidement sur ce téléphone-là. Donc, c'est une belle innovation de Disney. On amuse les enfants, mais on offre de la tranquillité d'esprit aux parents en même temps. C'est bon. Tu as parlé des ados, les pré-ados, les ados, il y a quoi pour eux aussi? Oui, les pré-ados, 11 à 13 ans. Ils ont leur endroit qui s'appelle Edge, encore une fois, un écran géant, karaoké, piste de danse, ordinateur, tout pour les amuser, quoi. Mais mon coup de cœur, et là, j'étais vraiment jalouse de ma fille, qui, elle a 14 ans, puis elle pouvait y aller, c'est le vibe, c'est la zone pour les adolescents de 14 à 17 ans. Et en quoi ça se démarque? C'est vraiment hallucinant, vraiment. Ils ont tout le devant du cinquième pont. Donc, tu rentres, premièrement, c'est des couleurs vibrantes. Les salles de bain des filles, c'est un rose. Les gars, c'est un vert bleu. C'est vraiment quelque chose. Puis ça rentre par une porte privée, d'ailleurs. Elle est comme dissimulée dans le mur. Il faut vraiment savoir où est-ce qu'elle est. Porte secrète! Porte secrète. Et c'est la carte de chambre qui déverrouille la porte. Donc, ils savent quel âge que tu as. Donc, si tu n'as pas le bon âge, la porte ouvre pas. Ah, c'est génial, ça! Fait que parents pas admis. Ils ont un bar. Évidemment, on ne sert pas l'alcool. 7-Up Sherry Temple. Exact. Encore une fois, un écran, je pense, c'était une centaine de pouces. Là, j'ai pas les dimensions, mais c'était immense pour jouer à Guitar Hero, pour écouter des films. Ah oui! Mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Dans les murs, ils ont des espèces, ils appellent ça des pods, des espèces d'alcôves en rond qui sont coussinés. Les ados s'installent là-dedans, bien confortables, puis ils peuvent regarder la TV de façon individuelle ou jouer à leur petit jeu vidéo. Ils ont la piste de danse, évidemment. Il y a un DJ qui est là pour faire jouer de la musique. Ils ont des ordinateurs pour, évidemment, pouvoir chatter avec leurs amis puis aller sur Facebook et tout ça. Et en plus, à l'extérieur, ils ont vraiment leur pont juste à eux. Ils ont leur propre piscine. Ah oui! Ils ont les chaises longues juste pour eux. Ils ont des tables de ping-pong, des tables de foosball. Vraiment, là! Les enfants sont rois, finalement, sur ce bateau-là. Ah bien, c'est excellent. Tout à l'heure, tu vas nous parler des cabines. Oui. Mais j'imagine qu'il y a aussi des activités pour les adultes. On n'est pas en reste. Ah non! Comme je disais tout à l'heure, les adultes, si on veut pas, on veut pas être avec les enfants, c'est-à-dire si on veut avoir un peu de temps tranquille, c'est possible. Encore là, on a des ponts qui sont réservés exclusivement pour les adultes. Excellent. On a deux restaurants qui sont réservés exclusivement pour les adultes. On a une section de nightlife, si on peut l'appeler ainsi, qui sont juste pour les adultes. Fait que finalement, même s'il y en a beaucoup pour les enfants, il y en a autant pour les adultes. On a pensé aux grands-enfants aussi. Oui. Vous restez là, Passion Voyage. Dans quelques instants, nous allons justement retrouver Cédric qui va nous donner quelques conseils à savoir comment voyager avec des enfants.
Vous préparez une croisière ou tout autre voyage avec des enfants? Les quelques conseils qui suivent vous aideront à vous rendre à bon port en toute simplicité. Tous les enfants qui voyagent doivent avoir leur propre passeport. Au moment de faire une demande au nom de l'enfant, assurez-vous de bien remplir le formulaire pour les Canadiens de moins de 16 ans. Votre enfant de moins de 18 ans part en voyage avec un seul de ses parents, avec des amis ou encore avec ses grands-parents, il aura besoin d'une lettre de consentement signée par le ou les parents non présents. Rendez-vous sur le site Internet des affaires étrangères, voyage.gc.ca, où vous pourrez télécharger un formulaire et faire votre propre lettre. Un conseil, utilisez la version anglaise, elle risque d'être plus pratique. Dans le cas où un enfant doit voyager seul en avion, avisez la compagnie aérienne à l'avance. La plupart offrent un service d'accompagnement et de surveillance des enfants depuis l'enregistrement jusqu'à l'arrivée. Ce service n'est toutefois pas gratuit. Un parent ou un adulte devra être présent à l'aéroport jusqu'à ce que l'avion soit parti. À destination, la personne qui accueillera l'enfant devra être munie des documents d'identité et des autorisations nécessaires. Voyager avec des enfants implique une plus grande prudence. Les navires de croisière possèdent leur propre équipe médicale qui pourra prodiguer des soins en cas de blessure ou de maladie. Mais vous devrez probablement payer ces soins en argent comptant. Avec une bonne assurance soins médicaux d'urgence, ces frais pourraient être pris en charge déjà sur le navire ou vous être remboursés à votre retour. Les enfants d'aujourd'hui sont friands d'Internet. N'hésitez pas à faire quelques recherches avec eux. Ils pourront ainsi visualiser ce qui les attend et rêver avec vous jusqu'au jour du départ. Bon voyage! Les navires de Disney sont les seuls à avoir quatre capitaines à bord. Qui sont-ils? La réponse, au retour. Les quatre capitaines à bord des navires de Disney sont le capitaine du navire, le capitaine Mickey, le capitaine Crochet et le capitaine Jack Sparrow. Nous sommes de retour à Passion Voyage où cette semaine, on vous fait découvrir le Fantasy, qui est le dernier navire de Disney. On a parlé des activités, Angelina, pour les jeunes et moins jeunes, finalement. Parle-nous un peu des cabines, en quoi ça se différencie des autres navires. Bon, premièrement, il y a 1250 cabines sur ce très beau navire. La majorité ont des balcons. Tu sais, Jean-François, sur les navires, habituellement, les cabines les moins populaires, c'est les cabines intérieures, hein, les cabines qui n'ont pas une vue sur la mer et tout ça. Sont un peu moins chères habituellement aussi. Mais Disney a trouvé une façon de rendre ces cabines quasiment les plus populaires de leurs navires. Même si on n'a pas de vue sur la mer? Même si on n'a pas de vue réel sur la mer, on y a inséré des hublots virtuels. Je te vois venir, là, avec une vue virtuelle de la mer, finalement. Oui, exact. Donc, il y a des caméras un peu partout autour du navire. Et la vue qu'on a dans notre hublot, c'est vraiment la vue qu'on aurait si on avait vraiment un hublot. C'est vraiment par rapport où est-ce qu'on est situé sur le navire. Ah, oui. On a vraiment la vue. C'est pas de l'animation, c'est pas non. Une cassette là, où on non, voit non. Donald Duck en bateau à côté. C'est live. C'est live. C'est live. Mais parlant d'animation, il y en a aussi dans ces hublots virtuels-là, ah, oui? De l'animation. On peut voir passer Dumbo, on peut voir passer Monsieur oui? Patate qui nous fait des petits messages. Mais assurez-vous, si vous êtes tanné, vous pouvez fermer. Hein? OK. On est obligé de le regarder toute la tout nuit. Tout le temps, non. L'autre chose qui est vraiment intéressante par rapport aux cabines de Disney, c'est au niveau des salles de bain. Tu vas me dire, des salles de bain, c'est pas important, mais quand on est une famille, deux adultes, deux enfants dans la cabine, le temps de la salle de bain, c'est toute une logistique. Hein? Surtout si vous avez des pré-ados et des ados, là, des fois, ça double le temps à la salle de bain. Ça. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Oui! la salle de bain est séparée en deux, c'est-à-dire on a une pièce où on a un lavabo et toilette et mm-hmm. l'autre pièce où on a un autre lavabo et la douche-bain. Okay. Donc, ça permet de rouler un petit peu plus au niveau de la cabine. Et pour les familles qui sont un peu plus nombreuses, deux adultes, trois enfants, on a aussi des cabines qui peuvent accommoder ce nombre-là. Donc, on a le lit queen pour les parents, si on veut. On a un sofa-lit. On a un lit qui descend du plafond. Et on a aussi un lit, un Murphy bed qu'on appelle en anglais, là, qui descend du mur également. Oui. Donc, on peut coucher une famille de cinq facilement. Ah, oui. Si on est plus nombreux, les chambres communicantes, ah, oui. On peut ouvrir les portes.
et on peut utiliser les deux chambres. Et aussi, Disney a passé à quelque chose de vraiment intéressant. Si on a une cabine avec balcon, puis on prend une chambre communicante, la paroi entre les deux balcons aussi s'ouvre. Ah! Donc, ça nous fait un très grand balcon qu'on peut profiter. Et si on est encore plus nombreux, mais il y a les suites aussi, hein, faut pas les oublier. Donc, au niveau des cabines, c'est vraiment intéressant et vraiment spécifique au niveau de Disney. Là, on n'a pas encore parlé de restaurants. Tu sais, tu connais mes points faibles, tu connais mes préférences. Est-ce que sur un bateau de Disney comme ça, c'est uniquement des restaurants pour enfants avec des mets pour les plus jeunes ou encore une fois, il y en a pour tout le monde? Il y en a pour tout le monde et Disney a un concept intéressant au niveau des restaurants. Ils ont un système de rotation. Il y a trois restaurants principaux, contrairement sur un navire de croisière régulier où on a une salle à manger. Ouais. Ici, on en a trois. OK. Et on fait un système de rotation, c'est-à-dire un soir, on soupe, exemple, au Animator's Palette, et le lendemain, on s'en va souper au Enchanted Gardens. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que notre équipe de serveurs nous suit. Ah! Donc, les serveurs qu'on avait le premier soir, on va les avoir pendant toute la croisière et nous suivent à chacun des restaurants. On a la même table, on va souper avec les mêmes gens. Ah oui! Mais c'est l'ambiance et l'animation qui changent. Donc, les trois restaurants, je les ai nommés Animator Palette, Enchanted Gardens, puis Royal Court. Et en quoi ils se différencient, ces trois restaurants-là? C'est vraiment au niveau de l'ambiance. Animator Palette, c'est mon préféré. Vraiment, là, c'est tellement animé. On a des écrans. On a des personnages de Disney qui nous parlent pendant qu'on est en train de manger. Oui. Là, on voit passer une tortue qui nous dit « Hey, you! » Puis là, tu dis « Me? » Tu sais, tu te regardes, tu dis « Mais ils me parlent vraiment, là! » Et l'autre animation qu'on a dans ce restaurant-là, c'est qu'ils nous font dessiner, ils nous donnent un apron, puis ils nous font dessiner un bonhomme. Okay. Puis pendant le repas, on voit notre bonhomme animé à l'écran. Ben oui, on a. Ah, c'est vraiment hallucinant qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a vraiment beaucoup de technologie qui est mise sur l'animation en général, là, je trouve, sur ce navire-là. Il y en a partout sur ce navire-là. D'ailleurs, on peut parler des cadres un peu partout sur le navire. Ils sont interactifs. Vous savez, Jean-François, il y a trois jeux de détective qu'on peut faire sur le navire. On peut résoudre des énigmes. On arrive devant des cadres qu'on pense tout à fait anodins. Ouais. On sort notre petite carte de détective, on la passe devant le portrait. Oui. Et ça s'anime. Ça va nous donner des indices pour résoudre l'énigme. Donc, trouver le coupable, genre de chasse au trésor. Mais parle-moi un peu de cette carte-là. On nous la remet lorsqu'on arrive à bord? Non, on va s'inscrire. Il y a un endroit où on peut aller s'inscrire. Puis on peut choisir, comme je t'ai dit, il y a trois différents scénarios. Okay. On choisit le scénario qu'on veut. On nous donne, ces cartes-là sont numérotées. Donc, on a notre numéro de détective privé. Ah, c'est bon! Et on part à... comme une chasse au trésor, exactement. Finalement. Et on peut la refaire plusieurs fois parce que la fin n'est pas toujours la même. Ah, ça change. Ça change. C'est vraiment interactif. Mais c'est quand même trois scénarios différents. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Excellent. Et parmi les autres activités, tu m'as parlé d'une immense glissade d'eau aux allures de montagne russe qui passe au-dessus de la mer. Là, tu exagérais, bien sûr. Là. Pas du tout. L'aquadoc. On s'installe dans une chambre à air et on est propulsé sur 765 pieds de long à travers justement la glissade d'eau. Ah oui? C'est vraiment hallucinant l'effet que ça fait. Et la glissade est comme en verre, oui, donc elle on voit... complètement transparente. Il y a des bouts où elle passe à l'intérieur, mais pour la majorité, elle est à l'extérieur. Puis ça dépasse le pont un petit peu, du navire, donc on a l'impression qu'on est au-dessus de la mer. Déjà, on est au 11e pont, donc on est vraiment très haut. Et en parlant du 11e pont, le soir, c'est le pont où il y a les piscines. Et le soir, on couvre les piscines et ça devient vraiment un immense endroit où on peut avoir la fête, dans le fond. Ah, ça devient un plancher de danse. Un plancher de danse. Et à chaque soir, il y a un spectacle. Le spectacle de clôture, à la fin, c'est un spectacle de pirates. Okay. Avec, en vedette, le capitaine Jack Sparrow. Et on termine cette fête-là avec un show de pyrotechnie, les feux d'artifice en mer. Ah oui, sur le bateau. Ça prend bien juste Disney pour faire quelque chose comme vrai. Ça. Qui dit Disney dit spectacle à grand déploiement. Mm-hmm. Et c'est exactement ce qu'on a au Walt Disney Theater. On a également le Buena Vista Theater, qui, lui, est une salle de cinéma, dans le fond. On peut voir des films comme Jack Carter ou Les Muppets, donc les films qui sont encore en cinéma. Et sur un navire de Disney, c'est les personnages de Disney aussi qui sont omniprésents. Si on veut voir Mickey, Minnie, Donald, Pluto, sont là. Mais aussi pour nos petites princesses, ils peuvent voir les princesses Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel, elles sont toutes là. Et pour nos petits pirates,
Peter Pan, le Capitaine Crochet, Jack Sparrow. Jack Sparrow. C'est vrai qu'il donc, y en a plusieurs. Sortez vos caméras, il ne faut pas manquer ces moments-là, parce que quand on voit les enfants regarder leurs idoles, là, c'est vraiment magique. Je veux redevenir un enfant pour aller sur le fantasy de Disney. Mais ce ne sera pas possible. Je vais y aller quand même, mais en adulte cette fois-ci. Cédric, en centre de service, nous suggère quelques articles pour voyager avec les enfants. Souhaitez que, tout comme vous, vos enfants deviennent de grands voyageurs? Apprenez-leur comment le plus tôt possible. Votre croisière Disney approche, incitez-les à faire leur propre valise. CA Québec offre une panoplie de sacs de voyage et valises. Qu'il s'agisse d'un bagage à mettre en soute ou en cabine, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Des valises légères, comme celle-ci par exemple, seront plus faciles à identifier par votre enfant au moment de les cueillir sur le carrousel à bagages. Le transport se fera également sans difficulté grâce aux poignées et roulettes. Les trajets en avion ou en autobus sont parfois longs pour les enfants. Ces coussins de cou en forme d'animaux soutiennent bien la tête et permettent un meilleur confort. Même au retour de leur voyage, vos enfants ne voudront plus s'en passer. Et ça tombe bien car ces accessoires sont parfaits pour les longs trajets en voiture. Pour immortaliser les souvenirs, procurez à vos enfants un journal de voyage. Essentiellement ludique, ils permettent de raconter les vacances tout en développant la créativité. Ils aident aussi à passer le temps en cas de pluie. En terminant, un parent prévoyant ne saurait partir sans ses petites lingettes compactes et biodégradables. Un soupçon d'eau et vous voilà armé d'une serviette et prêt à toute éventualité. Sur ces quelques conseils, bon voyage. Quelle est la mélodie des sirènes des navires de la Disney Cruise Line? La réponse au retour. La mélodie des sirènes des navires de la Disney Cruise Line sont les 7 premières notes de la chanson « When You Wish Upon a Star ». On vous offre la magie de Disney aujourd'hui à Passion Voyage. Et Angelina, on a beaucoup parlé du navire comme tel, mais où on peut aller avec le fantasy? Pour son année inaugurale, le Fantasy nous offre des croisières de 7 nuits au départ de Port Canaveral en Floride. C'est les Caraïbes occidentales et les Caraïbes orientales qui sont disponibles pour c'est des croisières. Choix. Au choix. C'est en alternance. Une semaine, c'est un. Une semaine, c'est l'autre. Excellent. Le frère jumeau du Fantasy, le Disney Dream, tant qu'à lui, nous offre des croisières de 3, 4 et 5 nuits au départ également de Port Canaveral, mais à destination des Bahamas. OK, plus court. Plus court, justement. Les autres navires de Disney, donc le Wonder, lui, est situé du côté du Pacifique. Donc, c'est des séjours de 6 à 15 nuits. On peut faire l'Alaska, Hawaï, la côte du Pacifique et aussi le Mexique. Et le dernier navire, donc le Magic, c'est des itinéraires variés, de durée variable également. Donc, on part aussi de Port Canaveral, mais aussi de Galveston au Texas. Et les itinéraires sont vraiment variés. Cette année, le Magic nous offre des départs de New York. Donc, pas besoin de prendre l'avion pour se rendre en Floride ou se rendre sur la côte ouest. On peut prendre notre voiture si on le désire, puis on se rend jusqu'à New York. On peut embarquer sur le Magic. C'est des croisières de 8 nuits qui nous amène aux Bahamas et à Castaway Cay, qui est l'île privée de Disney. Ah oui. Mais si vous n'êtes pas convaincu qu'une croisière Disney, c'est pour vous, il y a 3 croisières de 2 nuits. Donc, on peut partir de New York, faire une croisière de 2 nuits et voir vraiment si une croisière Disney, c'est pour nous. Moi, je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Oui, ça va nous donner le goût d'en faire une plus longue, finalement. Exactement. Ah bien, c'est bon. Et si vous avez besoin de renseignements, communiquez avec nous. Vous savez, nos conseillers ont tous suivi des formations spécialisées Disney.
La majorité sont diplômés de College of Disney Knowledge, qui est l'université de Disney. Plusieurs d'entre eux ont même fait des croisières sur les navires Disney, donc ils savent de quoi ils parlent. Excellent. Ils peuvent vraiment vous conseiller et vous aider à planifier la croisière qui répond à vos besoins, à vous et à votre famille également. On peut se rendre en centre de service pour poser les questions et vous avez justement une brochure qui est spécialement pour les produits Disney. Oui, avec la compagnie Disney Cruise Line, on a produit une petite brochure sommaire à l'intérieur de laquelle on va trouver les itinéraires des différents navires. On va trouver également les avantages CAA Québec. Parce qu'avec Disney, on a une association de plusieurs années et dû à cette association-là, on peut offrir des avantages à nos membres. Ah, c'est toujours bon à savoir. Un gros merci, Angelina, de nous avoir fait retrouver notre cœur d'enfant, comme quoi on peut voyager dans le passé puis redevenir plus petit, finalement, avec les produits de Disney. Tu m'as donné la piqûre. J'imagine que c'est pareil pour vous à la maison. La semaine prochaine, on change de registre un peu. Complètement. Autant aujourd'hui, on était très enfants. La semaine prochaine, on sera très adultes. Très adultes. Il y en aura pour tout le monde, comme à l'habitude. On s'en va visiter la ville du vice. Sin City. Las Vegas. Alors, manquez pas ça. La semaine prochaine, à Passion Voyage. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.